maintenant 3e position, très bien placé. Moser en tête, Lecomans en 2e position, et Gilbert va attaquer. Chronique d'une attaque annoncée, c'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. Il fait tout exploser, maintenant la question est de savoir qui peut aller dans sa roue. C'est Boasson-Hagen, Gilbert est parti. Il est parti, Kolobnev essaie de sortir avec Boasson-Hagen. Il prend 5, 10, 15 mètres. Il est parti, il faut tenir maintenant pendant 2 km. Il a pris 15, 20 mètres, attention, Kolobnev revient. Ils sont tous à bloc, c'est exceptionnel comme spectacle. Philippe qui peut sortir tout le monde de sa roue, on le savait, mais ça n'est pas suffisant pour être champion du monde. Il creuse maintenant. Il est en train de creuser au bon endroit. Oh, Kolobnev, Kolobnev s'est mis dans le rouge, Valverde n'est pas là. Boasson-Hagen non plus, c'est bon aussi quand on regardait hier soir. On savait qu'il allait attaquer, est-il capable de tenir maintenant Philippe. 1 km 700, les plus longs de toute sa carrière. Il est parti. Pour être champion du monde, c'est un exploit. Seul Marianne Vos a réussi, ça gêne les dames. Oh, je pense qu'il va le faire. Je pense qu'il va le faire. Ils sont tous cuits. Il reste ce diable de Kolobnev. Mais il est toujours 2e, Kolobnev. Donc il n'y a pas de problème. Go Phil. C'est ce qu'a marqué sur la route. Il a rendez-vous avec son destin. Il est au sommet. Il lui reste maintenant 1300 mètres. 1300 mètres. Mais ça va descendre. C'est long. C'est long et c'est court à la fois. Ah, on vous parle toujours du passé et des autres, mais le passé, la seule chose qui est sûre avec le passé, c'est que ça n'est que de la nostalgie. Et Valverde sort, le futur, ça n'est que mystère. Mais le présent est un don qui s'offre à lui. Hésitation, Valverde qui n'a pas pu le suivre avec Kolobnev. Et c'est Nortau qui est là, c'est même pas Boasson-Hagen. Il va être champion du monde, il va le faire. Imaginez, on attend ça depuis Madrid. Il lui reste 500 mètres, mais ça fonce derrière. Il faut encore tenir, Philippe. Il faut encore tenir. Et il le sait qu'il l'a fait. C'est fabuleux. Je t'avais fait champion du monde par erreur il y a 7 ans, mon gamin. Mais cette fois, il n'y a pas d'erreur. Il n'y en a pas. Phil, 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 qu'est-ce que tu nous fais là? C'est exceptionnel. Quel champion on a. Philippe Gilbert est champion du monde 2012 à Valkenburg. Le Coburg et le Philberg, nous sommes en Belgique. Bravo Philippe!